Alors, salut les amis, on se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une grosse pépite. En tout cas, c'est pas une petite pépite. Si vraiment vous suivez de A à Z ce que je vais dire, si aussi vous regardez la vidéo du début jusqu'à la fin, sans être précis. Mais bien avant de commencer à vous donner déjà l'astuce et la pépite, juste en description de chaque de mes vidéos, mais chacun de mes vidéos, mais chacune de mes vidéos, je laisse le lien de mon groupe Telegram auquel là-bas je balance les coupons live et balance les coupons du jour. Donc vous pouvez me rejoindre là-bas via le lien que je laisse à chaque fois en dessous des vidéos. Et aussi à l'intro de la vidéo, de laisser le code promo auquel vous pouvez l'utiliser. Voilà, pour tous vos rechargements. Pour avoir des bonus, tous vos rechargements sur RXBet 200%. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. La première astuce va parler de basketball. Cette astuce marche à 100%. Aujourd'hui, je suis en train de faire la vidéo le 17 février 2022. Je ne sais pas quand je vais publier la vidéo, mais je sais que je suis en train de faire cette vidéo le 17 février 2022, précisément à 23h44. L'astuce que je vais vous montrer, vous pouvez après dans les confrontations, c'est le match passé, la même équipe que je vais vous montrer, je vais vous présenter, mais je vais prendre comme exemple pour vous montrer cette astuce. Vous allez partir vérifier de vous, mais vous allez voir que l'option que j'ai présentée a marché. Le match n'a pas recommencé, mais je ne sais plus à 99,9% que ça va marcher, et c'est sûr à 99,9% les gars. Je sais de quoi je parle, et vraiment si vous suivez de A à Z, vous allez vraiment voir le changement sur vos différents comptes. Voilà. Donc, dans un premier temps, nous allons chercher basketball. Bon, pas basketball. On va rentrer dans top événement avant match, juste à côté ici. Donc, je suis top événement avant match. Top événement avant match. Bon. Excusez, on va rentrer dans basketball, c'est encore mieux. Basketball. Une fois que nous trouvons basketball, nous entrons dans Paris Sportif. On cherche la ligue NBA Amérique. Voilà, NBA ici. On clique. Et ce que vous allez rechercher les matchs auxquels, parce que l'option marche beaucoup sur les différents matchs auxquels il y a plus de buts. C'est-à-dire les gars se marquent beaucoup. Quand il y a du plus de buts, ou auquel au minimum chaque équipe va mettre 114, 115, 100, 114, 120, on trouve à partir de 100 pour aller. Est-ce que vous comprenez? Donc on va essayer de voir, on va essayer de chercher. Bon, je sais pas si le truc, si ils ont commencé, voilà. Nous allons prendre Pelican de la Nouvelle-Orléans et Maverick de Dallas. Sans même rentrer dans, déjà même je sais que c'est une équipe auquel les gars se marquent beaucoup. Les gars se marquent beaucoup. Je ne suis pas encore rentré, mais comme preuve, on va rentrer puisque je suis beaucoup les matchs de basketball. Même si vraiment je ne suis pas un grand fan, mais en matière de jeu hasard, sûrement, en tout cas, je suis tout sauf de sport. Vous comprenez? Donc, on va cliquer. Nous allons rentrer tout d'abord les confrontations passées pour nous assurer que vraiment les gars là se marquent beaucoup dans leurs différentes confrontations. Donc, on clique ici. Il faut qu'on clique. Une fois qu'on on clique, on rentre en confrontation. Confrontation, vous voyez, comme je l'avais dit ici, 109, 121, 120, 90, 124, 124 et 114, 124, 97, 112. Excusez, c'est tête à tête au moins. Vous voyez, 91, 107, 107, 139, 108, 192, 125. Vous voyez, en tout cas, ils sont dans 100. Donc déjà, c'est un match qui est bon. C'est un match qu'il nous faut. C'est un match qui est vraiment sûr à 99% que ça marche avec notre option. Notre option est sûr à 99,9% que ça marche parce que nous avons déjà le match qu'il nous faut. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez? Voilà. Ce que si vous devez avoir ces gens de match là, vous devez avoir ces gens de match là auxquels les gars se marquent beaucoup. Donc vous voyez, c'est déjà bon pour nous. Donc dès que on s'est assuré
que on a trouvé le match idéal. Ça, c'est déjà l'option 1. Nous passons maintenant à l'option 2, auquel je vais vous présenter l'option que vous devez choisir. Après l'option 2, nous allons maintenant passer à l'option 3. Comment faire? Voilà. Une fois que fini, on sort, on change cette option-là. On faufile pour aller de l'autre côté. On change cette option-là. Excusez, la vidéo sera très longue. La vidéo sera très longue. La vidéo sera très longue. Voilà. Donc, vraiment, prenez le temps de bien regarder. Si vous avez bien regardé, vous allez voir que vous allez vous en sortir. Voilà, nous sommes tombés ici maintenant. L'option qu'il nous faut, panier à 2 points marqués. Panier à 2 points marqués. Une fois que nous trouvons cette option-là, on cherche l'option totale. Prenez toujours. C'est-à-dire, une fois que vous trouvez les différents matchs qu'il faut, prenez toujours total plus de 54,5. C'est une cote de 1,82, on peut le dire. Ou bien 1,825, comme vous pouvez le prendre. Vous voyez, donc c'est déjà un privilège, les gars. La cote, déjà même, c'est déjà bon pour nous. Ça nous suffit. Pour quelqu'un déjà même qui a... Pour quelqu'un déjà qui a 10 000 à 8 000, pour quelqu'un déjà qui met ses 1 million, il a, c'est 1 million 800 000. Ça nous arrange à tous. Celui même qui a 1000 francs à 1800, vous comprenez. Ça nous arrange tous. Vous voyez. Donc, ici, nous allons prendre 54,5. Mais pour s'assurer que vraiment notre coupon est sûr à 100%, nous allons partir dans le côté statistique pour voir. Dans les différentes confrontations, il marque au minimum plus de combien de points marqués au fait. Puisqu'ils ont dit panier à 2 points marqués, plus de combien de 2 points marqués. Donc nous allons entrer sur la meilleure application SofaScore. Parce que moi c'est la meilleure. Ça me démontre tout. Avec ça, je me sens à l'aise. Je suis assuré à 100%. Il y a les statistiques qu'il faut. Pas des statistiques de fraude auxquelles je vais être en collaboration pour voler vraiment l'argent de l'homme. Donc, on va sortir, partir sur SofaScore comme d'hab. Voilà. Voilà. Ici, voilà. Orléans ici. On clique. Nous allons prendre les 3 matchs. Les 3 matchs. Voilà, on clique ici, on faufile ici, on cherche l'option match ici. Nous allons voir les anciens matchs, les 3 matchs. C'est en faisant ces 3 matchs-là, on va essayer de voir le niveau de chaque équipe. Est-ce que vous comprenez? C'est en faisant ces 3 matchs, nous allons voir si le niveau de chaque équipe n'est pas ça. Autrement, on sait qu'on ne doit pas prendre vraiment cette option. Mais si on voit que les 3 matchs, ils étaient vraiment au top, on sait que le 4e match, ça c'est sûr. Parce qu'une équipe n'est pas en forme, on le sait déjà, les gars. Donc, on va prendre les 3 matchs, c'est-à-dire ici, le 1er match, 2e match, 3e match. Mais je vais compléter 4e pour être plus sûr. Donc, nous allons prendre le 1er match qui s'est déroulé le 4, 12e mois 2021. Voilà, on clique là. Il faut qu'on clique, on rentre dans statistiques. Une fois dans statistiques. Dans le match passé, ils ont eu à jouer... Bon, il y a eu 2 points marqués. En tout cas, au fil du match, il y a eu 25 plus 22. Quand on fait les calculs, ça nous fait un truc de 5, 6, 7. Ça nous fait un truc de 47. Ne vous basez pas sur ça, les gars. J'ai dit, on prend au minimum 3 matchs. C'est en fonction des 3 matchs, on connaît le niveau de chaque équipe. Voilà, ça c'est 1. On prend le 2e. On clique ici dans statistiques toujours. Ici, on voit qu'il y a eu 39 plus 27. Donc, bon, on n'a pas besoin de faire les calculs, mais on sait que ça a dépassé les 54 qu'ils ont demandé. Ils ont dit plus de 54. C'est-à-dire, le match, il y a eu plus de 54. Vous voyez, mettez à la preuve 39 plus 27. Déjà, nous avons une perte en matière de statistiques. Ça fait 2e. Nous allons prendre 3e. 3e. Ça charge, les gars. Ici encore, vous voyez 28 sur 29. 29, il y a eu 29 sur 50. 28 sur 53. Est-ce que vous comprenez? Donc,
en tout résumé, c'est 28-29. Donc, déjà, on sait que ça a dépassé les 54 dont nous avons parlé. Voilà. On va repartir encore, chercher le dernier. Donc, c'est 1, 2, 3, le quatrième ici. Statistique. Ici, nous voyons 29 sur 32. Et donc, vous voyez. Donc, déjà, nous voyons déjà le niveau de ces équipes-là. Nous connaissons déjà que ces deux équipes sont en forme. Ces deux équipes marquent, parce que dans le match, ils marquent pas moins de 54 points. Est-ce que vous comprenez? Donc, sans plus tarder, mais sans réfléchir, nous passons. Nous revenons sur le match qui doit se dérouler en point total plus de 54,5, puisque deux points marqués, les paniers à deux points marqués. Quand nous avons regardé les statistiques, il y a une seule perte, donc c'est 1 sur 4. Vous voyez que ça colle pas. C'est comme si nous avons un témoin contre 5 témoins. Est-ce que vous comprenez? Ça colle pas. C'est où il y a plus de témoins en point. Donc ici, c'est un exemple. Et ça aussi, les statistiques le démontrent, que c'est une équipe qui est déjà en forme. Donc, sans réfléchir, nous prenons plus de 54,5. Maintenant, pour ceux aussi qui veulent, ils peuvent prendre l'option panier à 3 points marqués. C'est les mêmes recherches, vous faites les mêmes statistiques, les mêmes confrontations passées. Vous essayez de regarder et vous misez, les gars, c'est sûr à 99,9%. Si vraiment vous prenez le temps de bien faire vos analyses, vous prenez le temps de bien faire vos statistiques, vous prenez les 4 derniers matchs ou les 3 derniers matchs, vous vous assurez que vraiment les deux équipes sont en forme, où ils marquent paniers, 2 points marqués. Est-ce que vous comprenez? Voilà, paniers à 2 points marqués. Voilà, où ils marquent vraiment 2 points, pas moins de 54, 55, plus que ça. Est-ce que vous comprenez? Vous vous assurez, une fois que vous avez ça, vous venez, vous prenez l'option 54 plus. Vous jouez. Pareil aussi pour ceux qui veulent prendre panier aussi. Voilà. Si vous voulez, vous prenez 20, plus de 20,5. Vous voulez aussi, vous prenez plus de 22,5. En fait, ça dépend de vous. Ça dépend de vous, les gars. Donc, vous pouvez prendre ces genres de matchs-là pour faire vos montantes. Au moins 3 jours. Sur 3 jours, c'est déroulé sur 3 jours comme ça. Les montants sur 3 jours, les gars. Ça, ce sont des trucs qu'on ne suppresse pas. Vous attendez à ce qu'il y ait un bon match. Et puis, vous faites vos mises. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça, c'était l'astuce qui est là. Maintenant, l'astuce bonus se trouve sur hockey sur glace. Donc, sans plus tarder, les gars, nous allons partir sur hockey sur glace. Donc, sans plus tarder, nous allons passer. Nous allons chercher. Nous rentrons dans top événement avant match. Top événement avant match. Les gars, prenez des événements. En tout cas, ce n'est pas n'importe quel match que vous devez prendre. Ça, c'est l'astuce bonus, les gars. Vous pouvez prendre ça pour faire aussi vos montants. Comme l'astuce au basketball, il vient de vous le démontrer. Donc, vous prenez les matchs comme ça. Où il y a une cote de 1, une cote de 3. Où il y a une cote peut-être de 1, une cote de 4. Ce que vous prenez, où il y a une équipe favorite et une équipe qui n'est pas favorite. Est-ce que vous me comprenez? J'espère que je me suis fait bien comprendre. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Je vous avais déjà dit que la vidéo sera très longue. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Si vous aimez la vidéo, likez, les gars. Donc, moi, je vais prendre particulièrement moi. Bon, est-ce que ce match n'a pas commencé? Bon. Bah, le match a commencé, hein, à force de trop parler. Le match a commencé. C'est moi. Hein. Excusez, les gars, je vais chercher le match rapidement. Je ne sais pas si ça... Ça a commencé. Bah. Voilà. Bon. Bah, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Bon. Il devait forcément. Il est, les gars. Excusez-moi. Vous prenez donc, comme il a dit, vous prenez une équipe, une équipe favorite et une équipe qui n'est pas vraiment favorite. Elles ont compris. Voilà. Vous prenez ça et puis ensemble, voilà, ça va recommencer ici. Il y a 2 minutes, ça va recommencer. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez et vous cherchez période 1. Vous laissez temps réglementaire, vous cherchez période 1. Une fois que vous cherchez période 1, qu'est-ce qu'on va faire ici?
nous allons rechercher, nous allons se focaliser seulement sur l'équipe qui n'est pas favorite. Ici, c'est Flyer de Philadelphie qui n'est pas l'équipe favorite. Donc, nous avons pris période 1. Ne prenez pas tant, vous prenez période 1. Vous prenez total moins de 1, bon, ouais. Ouais, total 1. Vous voyez, c'est l'équipe qui n'est pas favorite qui est total 1. Vous prenez le total 1. Moins de 1,5 buts. Nous savons tous que les équipes qui ne sont pas favorites, quand elles affrontent une équipe qui est favorite, c'est vraiment dur pour eux dans une période de marquer 2 buts. Pour vous montrer la preuve, nous allons rentrer dans les statistiques encore sur SofaScore pour vous montrer comme preuve ce que je suis en train de dire ici. Est-ce que vous comprenez? Donc nous allons rentrer dans les statistiques. Nous allons rentrer dans les statistiques. Nous rentrons dans confrontation. Nous cliquons sur tête à tête. Une fois sur tête à tête. Bon, à partir de là, ça ne marche pas puisque les statistiques ne sont pas affichées. Vous allez voir, on dit essaye aucune. Mais il y a déjà regardé sur SofaScore. C'est déjà ça. Est-ce que vous comprenez? Bon, ça va changer. Vous voyez, ça ne passe pas. Mais c'est à partir de là, je pense bien que ça passe. Vous allez voir que ça, les gars, ça passe. Ça passe même. Voilà, ça passe. Voilà. Excusez, ça charge, les gars. Je vous ai déjà dit que la vidéo sera là. Non, vous allez voir quand on rentre dans le résumé des matchs. Nous tous, on sait que c'est Flyer de Philadelphie qui n'est pas l'équipe favori. Vous voyez, déjà même en la première période, il n'y a pas eu de but. Première période n'a pas eu de but. Une cote de 1,2, vous voyez que le coupon est déjà gagnant. Hein? Ils ont joué ça en 2021, je pense. 2021. Voilà. 2021, nous allons cliquer. Il y a eu 4-2. On va résumer du match. Première période, les gars. Vous voyez. Voilà. C'est un seul but. Les premières périodes, c'est un seul but. Est-ce que vous comprenez? Voilà. En tout cas, c'est pas facile. C'est pas facile, les gars. Que vraiment l'équipe là, vraiment marque. Deux buts dans une période. Les équipes ne sont pas favorables. Une marque deux buts dans une période. Dans la première période au moins. Vous voyez. C'est un but. Donc vous voyez. Donc les gars, en tout cas, c'était la chose qui est là. Donc je me répète, j'ai dit, vous cherchez les matchs. Ok, si glace, ok, il y a une équipe favorite. Une équipe qui n'est pas favorite. Une fois que vous trouvez ça, vous rentrez dans le côté première période, vous vous concentrez sur le total de l'équipe qui n'est pas favorite. Vous prenez toujours moins de 1,5. Vous combinez au minimum deux matchs. Vous placez votre pari et vous verrez. Vous verrez tranquillement que là, ça marche à merveille. Donc les gars, c'était les deux astuces que je voulais vous présenter. Voilà. Ce que si c'est le 17e frère cette vidéo. Bon. Donc après, une fois que vous allez visionner, même si c'est dans deux jeux, c'est dans trois jeux, je partage. Une fois que vous allez visionner, vous pouvez répartir. Essayez de voir les différents résultats. Vous allez voir que ce que je viens de vous démontrer ici, par A plus B, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose qui marche. Donc les gars, vraiment, pour m'aider, abonnez-vous massivement. Pour les nouveaux, s'il vous plaît, les gars, abonnez-vous massivement. Même si vous n'allez pas partager, mais néanmoins, si vous venez, abonnez-vous pour me donner le courage, likez. Et pour mes abonnés fidèles, je vous suggère aussi de partager, activer la cloche de notification. Vraiment, rejoignez-moi en description. Voilà, juste en dessous de cette vidéo, laissez le lien de mon groupe Telegram. Rejoignez-moi, les gars. Là-bas, il y a du balèze. On se partage les coupons, etc. etc. Et je tiens à vous rappeler que ce lundi, il va commencer une montante sur 7 jours. Donc, vraiment, rechargez vos comptes à partir de 10 000 francs. On va décoller. Ça ne sera pas du jeu. C'était votre serviteur royal officiel business. Je vous aime, les gars. On sera à bientôt. Merci.